Je suis ici avec Didier. Comment va Didier ? Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Didier, on est reparti pour un petit tour. Eh bien, on va refaire un petit tour de visite de bassins qui ont été faits dans l'automne et au printemps. C'est ça, alors on est ici chez Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors tu as fait un superbe truc ici parce que bon, il faut bien dire, c'est pas terminé dans le sens qu'il y a tous les aménagements à faire. Exactement, oui, il y a encore un petit peu de boulot. Ben, il y a un peu de boulot, mais c'est déjà bien parti en tous les cas. En tous les cas, félicitations parce que tu as fait des bons choix au niveau de la filtration, etc. Donc je pense que tu as fait une superbe réalisation. C'est vraiment très sympa. C'est rare qu'on voit tout ça. Ici, on est à ciel ouvert, mais ça ne va pas rester à ciel ouvert. Ça va... Non, ça va être couvert, tout ça. Et puis voilà, la filtration, c'est quand même grâce à Didier qui nous a bien conseillé, on va dire. Parce que bon, sinon on était complètement dans le flou dès le départ. C'est ça. Alors bon, comment est-ce que ça t'est venu l'idée en fait de faire un bassin ? Ça fait très longtemps que je voulais faire un bassin et disons qu'après on a rencontré Didier et là vraiment quelqu'un de professionnel et c'est ça qui nous a fait partir. Alors un peu les mensurations, t'as fait quoi ? Bah, c'était vraiment au pif au départ et puis après bah, c'était déjà un petit carré que j'avais fait en ciment. Puis après, bon, on a fait un bassin dedans et puis ça s'est fait en fait tout seul. Quoi. Bon, la taille à peu près 28 mètres cubes. 28 mètres cubes, une bonde de fond. Bonde de fond avec air et skimmer en surface. C'est ça, alors bon, 1,80 m de fond. Oui, 1,85 m, ouais. Bon, c'est déjà pas mal, je pense. Ah ben c'est très bien, ouais. D'autant plus que on est en plein soleil ici, donc ça... Oui. Ça va chauffer, donc l'écueil devrait être bien après, oui. Pas de soucis. Alors les premiers koi sont déjà là. Oui, on a pris ça chez Aquarev, des koi du Japon qu'on a récupéré au printemps.
Alors un petit mot sur la filtration ici, Didier. Alors filtration, on est sur un filtre à grille, après on passe sur un super bed, on a deux UV et on ressort sur un filtre biologique multichambre, aéré tapis japonais, voilà. Voilà, donc semi-gravitaire. Semi-gravitaire, ça se passe bien en général, il n'y a pas de souci. Bah oui, bon bah il a tout ce qu'il faut là. Oui, il y a ce qu'il faut, le volume par rapport à la filtration, on est bien en biologique, donc il pourra mettre du poisson après, on sera tranquille. Bon bah écoute, après il faut aussi apprendre un petit peu comment que ça fonctionne. Oui. Ça se passe pas tout seul, il faut quand même un petit peu de boulot, sans qu'on se rende compte. Il y a de l'occupation. Mais crois-moi que tu as mis ce qu'il fallait, à mon avis, tu n'auras vraiment pas de problème, à moins que tu fasses le con, entre guillemets, dans le sens que tu mets 200 poissons dedans, ça ne se fera pas non plus. Ça sert à rien. Ouais. Bon, maintenant, tu as déjà une belle petite sélection de poissons, c'est sympa, donc bon, il ne faut plus qu'à nourrir et puis à laisser grandir tout ça. Mais Sébastien, c'est la première visite ici, parce que en fait, ce qu'on en a discuté avant, moi je pense que, bon, aujourd'hui c'est le départ, ça fait combien de temps qu'il est en eau maintenant? Oh, ça fait depuis décembre. Voilà, donc c'est très récent, hein, on est au mois de juillet ici, donc moi ce que je propose c'est de revenir quand tout sera bien aménagé, etc., que tu auras fait ta terrasse, parce que tu vas faire un petit paradis ici. Hein, je vois que tu n'as pas de main gauche. Hein, écoute, tu le fais en tous les cas, hein, donc ce sera vraiment sympa. Donc on verra aussi un petit peu quel sera ton retour d'expérience par rapport à un an ou deux de bassin. Je pense que c'est important. Oui, il faut le temps que ça se cale, il faut que le biotope se fasse aussi, donc il va apprendre tout ça tranquillement, les qualités d'eau, les paramètres, et puis comprendre un peu l'évolution des poissons. Oh, j'ai bien aimé ta lame d'eau, là, tu as fait un petit mur pour support de lame d'eau, sympa. Oui, on a essayé de faire un truc assez joli, disons, et pas trop volumineux. Parce que... Alors, important pour ce genre de choses, si vous voulez faire ça, ben, vous avez vu, il y a deux pompes dans la cave, là, où il y a le filtre à grille, et en fait, cette lame d'eau, elle est complètement indépendante du reste. On ne mélange pas la filtration avec les jeux d'eau, ou les jets d'eau, ou les lames d'eau, on fait tout à part. C'est ça. Et ça, c'est ce que je conseille aussi, parce que bon, ben, forcément, une lame d'eau, ça peut être nuisible. Bon, quoi qu'ici, on est tout à fait dans la campagne, il n'y a personne qui va rouspéter. Hein. Oui. Mais par contre, l'inconvénient majeur, que ce soit une cascade ou une lame d'eau, des choses comme ça, c'est évidemment quand on arrive à fin de saison, voilà, où il y a des grandes amplitudes de température jour-nuit, là on refroidit terriblement l'eau. Oui, donc là, bah, c'est pour ça qu'on met à part, comme ça on n'a pas de souci avec la cascade, on ne refroidit pas l'eau, on garde tout comme il faut. Exactement, donc après en été c'est intéressant parce que bon, ça permet d'oxygéner en plus, c'est joli. Oui, ça fait un beau truc, bon c'est un petit peu bruyant, mais bon, après on s'habitue. Hein. Absolument, bon bah écoute, bon c'est fait pour ça aussi. Hein. Puis le glou, quand tu auras ta terrasse qui sera faite, tu mettras une chaise longue et que tu entendras le glou-glou, crois-moi que c'est reposant. C'est reposant, oui. Bon, en attendant, ben t'as pas qu'à te reposer parce qu'il y a encore pas mal de boulot ici. Et puis bon, il y a aussi d'autres priorités, hein. La famille va s'agrandir. Exactement. Hein, donc ben, déjà félicitations. Ben, merci bien. Et puis j'espère que tout se passe bien, évidemment. Et puis nous, on se donne déjà rendez-vous dans quelques temps et on verra un petit peu comment tu as bossé. Il n'y a aucun souci. Eh bien, moi, je te remercie en tous les cas, Sébastien. Tu es très sympa. Tu as fait une super installation jusqu'à la rigole d'évacuation d'eau et tout ça. Franchement, chapeau. Oui, c'est soigné, c'est propre, il fait ça bien. Donc, c'est facile de travailler avec des jeunes qu'on a envie comme ça. Absolument. Moi, ça me fait plaisir d'en voir des jeunes qui, justement, ont encore envie. Parce qu'on dit toujours, hein, voilà, hein, les jeunes d'aujourd'hui, ceci, et les jeunes d'aujourd'hui, cela. Mais non, il y a des réalisations, ils s'en donnent les moyens. Et c'est vrai qu'il y a des choses magiques. Hein, ouais. Absolument. Eh bien, nous, Didier, on va continuer. Oui, on va continuer notre petit tour. Eh bien, restez avec nous dans les prochains jours. Ben, vous verrez d'autres vidéos. Et en attendant, ben, surtout, ben, ne soyez pas sages. Allez, merci Sébastien, à bientôt. Ouais, salut. À bientôt. Voilà, c'est dans la boîte. Bon.